La crise sanitaire que nous connaissons est sans précédent. Aucune pandémie dans l'histoire n'avait autant testé la capacité de résilience des nations. Dominique Strauss-Kahn a dit que la crise était absolue. En effet, aucun individu ne peut se dire à l'abri et aucune zone géographique n'est épargnée. Je suis Théo Gendreau, président de l'association Simonu. Simonu est l'association de géopolitique de l'école Catch Business School à Marseille. Et nous sommes en charge de promouvoir les institutions internationales auprès de notre communauté étudiante. Et il ne vous aura pas échappé que cette crise a aussi montré la défiance grandissante des États et des populations vis-à-vis de la gouvernance mondiale. C'est pourquoi Simonu a décidé de se mobiliser pour vous proposer un échange en direct avec deux invités qui seront à même de répondre au sujet Covid-19, un game changer dans les relations internationales. Nous avons organisé cette conférence avec le service promotion de Kedge, que je tiens à remercier. Et toute mon association se joint à moi pour remercier Mister Prépa, partenaire officiel de cet événement. Merci à Madame Pompey et à Monsieur Collignon de leur présence. Jules et Mina, je vous laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci Théo d'avoir introduit cette conférence par ces quelques mots. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Simonu est heureuse d'organiser cette conférence afin de discuter et de débattre avec vous d'un sujet d'actualité. Je m'appelle Emina, je suis responsable du pôle simulation à Simonu avec Jules. Bonjour à toutes et à tous. Et nous serons tous deux les modérateurs de cette conférence. Avec nous aujourd'hui, deux invités exceptionnels. Tout d'abord, nous avons le privilège de recevoir Madame Fabienne Pompey, chargée de communication pour UNRIC. Madame Pompey, bonjour. Bonjour. Après avoir fait carrière dans le journalisme comme correspondante et reporter pour plusieurs médias, notamment l'AFP et Le Monde en Afrique, vous avez commencé votre carrière pour les Nations Unies en RDC, pour le compte du Programme Alimentaire Mondial, le PAM, dont vous êtes devenue la porte-parole quelques années plus tard. Depuis 2014, vous êtes chargée de communication pour la France au sein du Centre régional d'information des Nations Unies pour l'Europe occidentale, ou UNRIC. Ce bureau est basé à Bruxelles et c'est de là que vous intervenez aujourd'hui. Avec nous également aujourd'hui, Monsieur Charles Collignon. Monsieur Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique en classe préparatoire ECS au lycée François Ier au Havre. L'équipe Simonu a déjà pu compter sur votre présence en tant qu'observateur lors de la dernière édition d'un de nos événements phares, Simonu Prépa, qui s'est tenu en novembre dernier. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation et c'est un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je m'adresse à vous tout particulièrement. Sachez que pendant l'intégralité du live, nous attendons vos questions et vos remarques dans le chat. Nos invités y répondront à la fin de cet échange. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec Jules qui va commencer par vous en parler. Merci Emina. Vous n'êtes pas sans savoir que le Covid-19 touche quasiment l'intégralité du monde et le virus continue à se répandre. Alors que certains pays pensent s'en être débarrassés, d'autres estiment que le virus pourrait revenir sous la forme d'une deuxième vague. Au-delà des conséquences humaines et sanitaires, la pandémie a aussi des effets sur nos économies, la politique ou encore les relations internationales. Cette pandémie révèle les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons, interdépendance des pays, effet de la mondialisation, faiblesse d'une gouvernance mondiale ou encore centre de gravité qui tend à bifurquer vers l'Asie. Aujourd'hui, nos économies et nos relations sont toutes interconnectées. On comprend alors très bien que les concepts de système monde développés par Emmanuel Wallerstein ou encore de village global développés par Marshall McLuhan prennent tout leur sens. Monsieur Collignon, une réaction peut-être par rapport à ces termes de système monde et village global? Ce terme de système monde, c'est vrai que c'est un terme qui explique bien ces interdépendances. C'est une expression qui a été forgée par Wallerstein, comme vous l'avez expliqué, ce qui est un sociologue américain qui a évoqué cette idée dans un ouvrage qui s'appelle The Modern World System. C'est un ouvrage qui a été publié en trois parties entre 1974 et 1989. Et donc Wallerstein, ce qu'il explique, alors qu'on est dans un contexte d'un monde qui est bipolaire, hein, de guerre froide, il s'oppose à l'idée de tiers-monde. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de troisième monde, il n'y a qu'un réseau économique mondial unique dont les bases ont été jetées déjà depuis très longtemps, ont été jetées par les Européens dès le XVIe siècle, à partir du moment où il y a une véritable injection de capital. Sur le continent américain, donc dans les colonies qui sont détenues par les Français et les Anglais. Donc, ce que Wallerstein montre, c'est qu'il y a une
dichotomie entre capital et travail, ce qui est déjà le cas, hein, dans les colonies d'Amérique, qui va de pair pour lui avec une exploitation des travailleurs par les détenteurs du capital. Donc Wallerstein, c'est un des fers de lance, hein, de l'altermondialisme. Il a signé le manifeste de Porto Alegre en 2005, qui était sous-titré 12 propositions pour un autre monde possible. Donc on comprend bien sa réticence par rapport au capitalisme, dont son expression système monde, c'est une expression qui est très, comment dirais-je, très critique. Sa réflexion, c'est aussi une réflexion qui est ancrée dans l'espace. Et il se place dans la droite ligne de Fernand Braudel, qui est un historien français, hein, qui avait défini l'économie monde britannique au 19e. Et en géographie, on reprend cette expression système monde, notamment avec Olivier Dollfuss en 90. Et pour lui, Dollfuss explique que le monde, ce n'est pas seulement tout ce qui existe sur Terre, c'est en fait une entité géographique qui fonctionne en système. C'est-à-dire que ça n'est pas la somme d'éléments, c'est le produit des interactions entre ces éléments. C'est-à-dire que chaque élément est indissociable des autres. Et ce système, il est composé de lieux, d'axes, de flux, d'interactions et donc d'interdépendances. Et il explique, par exemple, que l'humanité, pour lui, c'est l'ensemble des interactions spatiales généralisées, et que ces interactions spatiales généralisées constituent le système monde. Et pour lui, ce système monde, il a à peu près un siècle, c'est-à-dire que c'est la suite de l'économie monde britannique. Ce qui est intéressant chez Dollfuss dans Système monde, c'est qu'il met en relation système monde avec système Terre. Dollfuss, c'est un géographe, j'allais dire un géographe à l'ancienne, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé, qui a une solide formation de géographie physique. Et donc pour lui, il y a aussi un système Terre, donc qui est un système naturel qui fonctionne selon des lois physiques et chimiques. Et ce système permet la vie depuis à peu près 2 milliards d'années. Et donc, dans son idée, système monde et système Terre interagissent. Et même s'il y a progrès technique, finalement, on ne peut pas se soustraire à ces interactions. Et la crise sanitaire dont nous faisons l'expérience actuellement, elle illustre ces interactions et surtout, elle a un caractère complètement inédit depuis l'avènement du système monde. Ce sont les mobilités humaines qui ont transformé cette épidémie en pandémie. Et c'est bien la circulation d'un virus, ça fait partie davantage du système Terre que du système monde. Et si on revient au XVIe siècle que j'évoquais tout à l'heure, finalement, le choc microbien dont étaient victimes les Amérindiens à l'arrivée des Européens, c'est déjà un mécanisme qui est proche, en fait. Hein. C'est-à-dire que les Européens ont amené des maladies que le continent américain ne connaissait pas, la variole, la rougeole, la varicelle, la grippe, et des populations ont été décimées par la circulation de virus et de microbes, de bactéries. Je pense que, en fait, ce qui est très intéressant dans cette crise, en termes de quand on fait le lien avec système Terre et système monde, c'est que ça a profondément modifié la perception des risques associés au système monde. C'est-à-dire que là, cette crise montre clairement que le fonctionnement en système du monde, avec des interdépendances très très fortes et des interactions avec le système Terre, ça fait prendre conscience de l'ampleur des risques. En fait, le risque, il existait déjà. Le risque d'une crise de cette ampleur, il existait déjà. Mais personne n'en avait véritablement conscience. Ce qui a probablement changé, c'est que désormais, on est conscient de ce risque. Et on peut même quasiment dire que le fait d'être conscient de ce risque fait que le risque est déjà moins intense qu'il ne l'était il y a quelques mois. Une population qui est consciente des risques auxquels elle est exposée est une population qui est moins vulnérable. Voilà, après, l'idée de village global, finalement, c'est une idée qui est plus simple. Hein. C'est que McLuhan, en 67, explique que tout le monde est capable, à partir du moment où il est connecté au réseau, d'avoir accès à peu près toutes les informations, très rapidement. Ce qui est étonnant, c'est que McLuhan fait cette analyse il y a 50 ans. Alors, quand on sait quels étaient les réseaux d'informations il y a 50 ans, c'est vraiment étonnant. Et c'est vrai que, là encore, on voit que cette expérience, hein, qui est cette crise, illustre ce phénomène de village global. On compte jour par jour les morts, on compte jour par jour les cas avérés dans chaque département, chaque état, chaque province, etc. On relaie les expérimentations scientifiques, on relaie les déclarations des uns et des autres, des déclarations plus ou moins responsables, plus ou moins raisonnables, des informations très, très sérieuses sur le virus, et puis des rumeurs complètement folles. Et pendant ce temps-là, tout le monde se divertit en regardant les mêmes séries confinées à la maison. Très bien, merci Monsieur Collignon pour cette introduction. Voilà, on comprend bien que système monde et système terre sont indissociables. On commence à observer de nouvelles tendances sur la scène des relations internationales.
Quel scénario pour l'après-Covid? Quel changement dans la considération des enjeux environnementaux? Quelles leçons tirer pour le futur? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Eh bien, nous allons commencer par discuter des conséquences économiques du Covid-19. Ralentissement de la croissance mondiale, arrêt de l'activité, chômage, ce n'est pas la première fois que le capitalisme est remis en cause. Beaucoup critiquaient déjà la mondialisation, l'accumulation de richesses, l'explosion des inégalités, l'égoïsme et l'individualisme qui caractérisent notre monde actuel. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où le monde traverse une des pires crises sanitaires qu'il ait connues, l'activité économique est à l'arrêt, le monde semble même s'être mis en pause et on note l'émergence de nouvelles formes de solidarité dans les communautés. Le modèle capitaliste semble chamboulé. Certains voient même dans cette crise sanitaire une crise de ce modèle. Monsieur Collignon, selon vous, peut-on envisager la fin de ce modèle ou encore la mutation? Et à qui profite vraiment cette crise? Faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le capitalisme. Au sens strict du terme, le capitalisme, c'est un régime économique d'une société qui repose sur l'accumulation de capital et où la propriété des moyens de production n'est pas... les propriétaires des moyens de production ne sont pas ceux qui utilisent ces moyens de production pour travailler. Donc si on s'en tient à cette définition, clairement, il n'y a pas de remise en cause, a priori, de ce régime économique qu'est le capitalisme, parce que, a priori, aucun autre régime, à ce jour, n'a présenté une efficacité qui est comparable. Par contre, le capitalisme est associé au libéralisme. Donc le libéralisme qui met en avant la liberté d'entreprendre, la liberté de circulation des capitaux et des marchandises, et un rôle de l'État qui doit être limité, hein. C'est-à-dire que pour les libéraux, le rôle de l'État doit être limité à offrir aux entreprises l'environnement qui est le plus favorable possible aux activités économiques. Donc, probablement que c'est cet aspect de la mondialisation, le libéralisme, qui montre ses limites. Donc, ce libéralisme, il entraîne une concurrence en fait, entre les entreprises de toutes origines, entre les territoires de tout continent et entre travailleurs de tout continent. Et c'est probablement cette concurrence qui débouche aussi sur une spécialisation du territoire dans certaines tâches, certaines gammes de produits qui sera certainement transformée par cette crise. Vous venez donc de l'expliquer, c'est l'économie mondiale sous sa forme libérale qui a été chamboulée. Les bourses ont connu leur pire chute depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre d'exemple, le baril de Brent a même été négatif pendant quelques heures à New York. Les processus de déconfinement sont en cours, mais pourtant de nombreux spécialistes s'accordent à dire que plus rien ne sera comme avant. Ainsi, Monsieur Collignon, encore vous, que révèle la crise sur la manière dont les pays commercent entre eux? Faudra-t-il repenser le commerce mondial? Ce qui est certain, c'est que tous les moments de crise amènent une remise en cause. Et donc ici, la remise en cause qu'on observe, c'est que de très nombreuses populations se tournent vers les États et réclament aux États une réaction, réclament aux États du contrôle. Et le fait qu'on se tourne vers l'État fait qu'on peut penser que certaines productions vont être relocalisées, mieux contrôlées par les États. Des productions qu'on comprend désormais comme stratégiques, alors que on n'en avait pas véritablement conscience avant, la production pharmaceutique, une partie de la production textile même, et peut-être même d'autres productions, des logiciels de traçage, les équipements de géolocalisation, pourraient se retrouver sous un contrôle plus étroit des États. Donc avec un retour de l'État, une prise de participation de l'État dans certaines entreprises. Donc il faut imaginer à quel point on est dépendant de l'extérieur. L'Agence européenne du médicament, par exemple, en 2017, affirmé que 80% des substances actives de médicaments disponibles dans l'Union européenne provenaient d'autres régions du monde. Et là, on comprend, dans une crise comme celle-là, à quel point ça pose véritablement problème. Après, est-ce que le commerce mondial va être véritablement chamboulé? Il y a une tentation du protectionnisme, évidente, hein, c'est-à-dire que c'est un virus qui semble venir de l'extérieur, et on se replie, on se referme, on ferme des frontières pour les déplacements des êtres humains, mais aussi pour les marchandises, puisqu'on s'est posé la question à un moment de savoir si certains produits ne pouvaient pas porter le virus. Cette tentation, elle est grande. Après, le problème, c'est que le protectionnisme, économiquement, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, Pascal Lamy, le directeur de l'OMC, entre 2005 et 2013, lui parle d'un possible essor d'un précautionnisme. C'est-à-dire, pour lui, il va y avoir des échanges qui vont être transformés
par une espèce d'application exacerbée du principe de précaution. Donc peut-être qu'on aura plus de normes, plus de contrôles, etc., et une forme de ralentissement des échanges internationaux, et peut-être de fait le fait de se fournir au plus près va devenir plus intéressant économiquement, peut-être. Très bien, merci. Donc on imagine qu'il y a du changement qui est à prévoir du côté des relations internationales en termes de relations commerciales. Par ailleurs, l'activité économique, nous l'avons dit, est quasiment à l'arrêt et il va falloir à un moment donné la relancer. Madame Pompé, je m'adresse à vous cette fois-ci. Quelle option pour la reprise économique ? Oui, parce qu'effectivement, c'est une crise sanitaire, mais ça va bien au-delà. Hein. C'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe sociale aussi. On n'en parle peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, le virus, il frappe les plus faibles, surtout, et pas seulement les gens qui ont des pathologies associées. On voit dans la morbidité, c'est souvent, par exemple aux États-Unis, des populations marginalisées, et ce n'est pas que là-bas. Donc voilà, ce sont les plus faibles. Les conséquences de la crise vont aussi frapper les plus faibles. On parle effectivement du chômage qui va augmenter un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est tout un système à reconstruire, enfin une reconstruction économique. Mais ce que disait récemment le secrétaire général, c'est que certes, c'est une catastrophe, mais c'est aussi une opportunité. Il a même dit que c'est une occasion en or. En fait, l'occasion de changer, l'occasion d'orienter nos choix, notre politique économique vers des solutions qui soient plus durables, plus inclusives, qui s'attaquent au changement climatique, qui protègent l'environnement, qui freinent la dégradation de la biodiversité et qui assurent la santé et la sécurité. Parce qu'il faut voir dans cette crise, qui est une crise sanitaire qui pourrait revenir, hein, que ce soit l'hiver prochain ou dans quelques mois ou sous une autre forme dans quelques années, c'est une crise qui vient en fait aussi de la façon dont on a traité notre environnement, de la façon dont on interagit avec la nature, avec le monde autour de nous. Et on a vu ce dessin, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, de scientifiques qui voient la vague du coronavirus qui va descendre à un moment, et derrière eux, alors qu'ils se réjouissent de cette descente de crise, une énorme vague arrivant par derrière, qui est la vague du changement climatique. Et voilà, c'est comme un petit, on allait dire, c'est comme un essai. Hein, on est en train d'éprouver notre système face à une crise, mais les grosses crises sont encore devant nous. Donc, ce que disait le secrétaire général récemment, c'est que on va injecter des milliers de milliards, que ce soit de l'argent public ou par les entreprises, après cette crise, pour créer des nouveaux emplois, redresser les entreprises, etc. Lui, ce qu'il souhaite et qu'il a dit de façon assez claire, c'est que on utilise ces milliers de milliards qui vont être débloqués dans une transition verte et propre et dans une politique de décarbonisation de l'économie. Et puis, que l'argent des contribuables ne serve pas aux industries dépassées. Il a même dit une phrase assez forte en disant qu'on doit cesser immédiatement les subventions aux combustibles fossiles, que le carbone doit enfin avoir un coût et que les pollueurs payent pour leur pollution. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est des orientations que donne le secrétaire général, comme celle aussi d'investir dans la résilience. Alors la résilience, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept, ça veut dire en fait mettre en place des mécanismes, des stratégies qui permettent de résister au choc. Alors c'est un mot qu'on emploie souvent pour parler des pays africains quand ils sont confrontés à des crises, à des guerres civiles ou des chocs comme des sécheresses ou des grandes périodes de pluie. Mais on a vu que cette crise, elle éprouve notre résilience. Et qu'il faut mettre en place des mécanismes pour la prochaine vague, être mieux préparé, être plus fort et pouvoir résister à ces chocs-là. Et puis, et ça, on ne cesse de le dire depuis des années, qu'investir dans une économie plus propre, investir dans une société plus durable, c'est cher, mais c'est bien moins cher que de ne rien faire. Et que le coût de l'inaction, en fait, il est bien inférieur, il est bien supérieur, pardon, au coût de l'action. Voilà un petit peu les orientations que le secrétaire général aimerait que les pays prennent au sortir de cette crise et les recommandations qui vont avec pour le mettre en œuvre. On a déjà un plan, on en reparlera peut-être plus tard, c'est les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 et qui restent d'une extraordinaire actualité si on veut effectivement repenser le monde de demain,
pour qu'il soit plus inclusif, plus juste, plus durable, qu'on laisse personne derrière, alors qu'aujourd'hui, on voit que la moindre crise tape extrêmement fort sur les populations les plus vulnérables, que ce soit dans les pays en développement ou dans nos pays développés. Très bien, merci Madame Pompée pour votre réponse. Il est vrai que l'aspect économique est fondamental dans les relations internationales, mais les relations internationales, justement, ne s'arrêtent pas aux échanges commerciaux. Nous savons aujourd'hui que certaines zones du monde ne se contentent pas de simples relations commerciales. L'intégration va au-delà. Lorsqu'on parle des organisations régionales, on ne peut pas ne pas mentionner l'Union européenne, dont l'intégration est la plus poussée, avec l'Union économique et monétaire. En parlant de l'UE, justement, elle semble aussi fracturée par la crise actuelle. Nous le savons, il existe beaucoup d'inégalités au sein même de l'UE. D'un côté, nous avons les pays les plus fragiles, je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne. Ces pays qui sont qualifiés de pays du Club Med et qui sont encore une fois les plus touchés par cette crise. Et de l'autre côté, nous avons certains pays qui donnent l'impression, encore une fois, de faire des sacrifices pour leurs compagnons de l'UE. Encore aujourd'hui, les décisions sont difficiles à prendre et ne font pas l'unanimité. Monsieur Collignon, cette nouvelle crise remet-elle, selon vous, en cause le fonctionnement de l'Union européenne ? La remise en cause du fonctionnement de l'Union européenne, elle a précédé cette crise. C'est-à-dire que ça ne fait que remettre en évidence les faiblesses de l'institution. En fait, dans cette crise, l'Union européenne paraît complètement dépassée par l'urgence de la crise et l'urgence des décisions qui sont à prendre. Alors, il faut toutefois rappeler que la nature de la crise, qui est une crise sanitaire, limite considérablement les possibilités d'action de l'Union européenne. Parce que la santé publique, ça relève de la compétence interne des États membres. Donc chaque gouvernement est libre d'organiser et de fournir ses services de soins comme il le souhaite, comme il l'entend. Donc l'action de l'Union européenne, ça n'entre que dans le champ d'une compétence d'appui. Et donc le fait d'être une compétence d'appui uniquement limite évidemment considérablement ces possibilités d'action. Donc il y a évidemment des champs d'action, des mécanismes et des organes de l'Union européenne qui sont dédiés aux questions sanitaires, mais la main est vraiment au gouvernement. Ce qu'on constate dans ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est qu'il n'y a absolument aucune solidarité entre Européens. Donc d'abord, dans un premier temps, quand l'épidémie a été véritablement a pris son ampleur en Italie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit « on suit ce qui se passe en Italie ». Voilà, on regarde. C'est quand même assez étonnant comme formulation. Il y a eu un Conseil européen fin mars, avec une réunion vraiment très très tendue autour de l'idée de la création d'un instrument de dette commun. Donc une idée qui est portée par la France et quelques autres pays, ils sont 9 au total. Et en face, on a l'Allemagne, les Pays-Bas, qui sont des pays dits frugaux, qui ne veulent pas financer cet instrument. Et dans cette discussion, il y a eu vraiment un moment absolument surréaliste où le ministre des Finances néerlandais a proposé qu'on ouvre une enquête préalable pour déterminer pourquoi certains États membres de l'Union européenne n'ont pas de marge budgétaire pour affronter la crise. Donc évidemment, en face, les Portugais, les Italiens étaient complètement sidérés qu'on puisse faire ce genre de demande qui leur paraît mesquine, quoi. Donc, après, il y a eu un rétropédalage. Ursula von der Leyen, début avril, a présenté ses excuses à l'Italie pour le manque de solidarité de l'Union européenne envers la péninsule. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que dans ce contexte, Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, profite de la crise pour élargir encore ses pouvoirs et pour légiférer par ordonnance dans un état d'urgence à durée indéterminée. Et donc la seule réponse de l'Union européenne face à ce déni de démocratie en Hongrie, c'est de dire qu'aucune mesure d'urgence ne peut durer indéfiniment. Voilà, donc il y a de quoi être pessimiste. Il y a vraiment des analystes qui sont très pessimistes. Bertrand Badi, par exemple, qui lui affirmait sur RFI il y a quelques jours, l'Europe c'est fini et c'est probablement une des premières victimes du coronavirus. Vraiment, il va très très loin dans son appréciation de la situation européenne face à la crise. Donc, l'Union européenne connaît des difficultés à s'imposer sur la scène des relations internationales, mais ça n'est pas le cas de tous les pays. On pense notamment aux États-Unis, mais aussi depuis quelques années à la Chine. Cela fait quelques temps que les deux puissances mènent un semblant de guerre froide sur tous les fronts, échanges commerciaux, 5G, affaires d'espionnage et désormais le coronavirus. Et justement, sur ce dernier terrain, les États-Unis semblent faire profil bas, alors que la Chine profite de son avance.
Monsieur Collignon, est-on en train d'assister à un basculement des rapports de force au niveau mondial ? Je ne suis pas sûr du tout que la Chine fasse profil bas. C'est-à-dire que quand la diplomatie chinoise explique que Mike Pompeo est un ennemi de l'humanité, c'est dans les termes une attaque qui est très dure. Et d'ailleurs, qui contraste avec l'attitude et les termes souvent très mesurés de la diplomatie chinoise. Donc, vous avez parlé de guerre froide également. Dominique Moisy de l'Institut Montaigne, justement, disait, il y a quelques jours également, dans une émission à la télévision, cette escalade me rappelle beaucoup le début de la guerre froide. Et il y a vraiment une escalade dans les termes qui est très, très importante, avec les Américains notamment, qui réclament une enquête en Chine sur les origines de la diffusion de ce virus. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y aura basculement du rapport de force. Il y a plutôt une confirmation d'un monde où on a deux puissances qui s'opposent et justement une géopolitique mondiale qui est appuyée sur le rapport de force, où le bilatéralisme, les relations entre deux États prennent le pas sur le multilatéralisme. Et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dans l'Économie du Monde le 20 avril, disait « Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble au monde d'avant, mais en pire. » Et la façon dont communiquent actuellement les Chinois et les Américains semble lui donner raison. Qu'il y ait un basculement des rapports de force ou qu'il n'y en ait pas, on constate néanmoins que les États-Unis semblent se replier sur eux-mêmes. Madame Pompé, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que cette crise, dit-elle, du multilatéralisme ? Elle dit beaucoup. Hein. Elle dit surtout qu'il ne faut pas moins, mais qu'il en faut plus. Qu'il faut plus de coopération internationale. Et on le voit dans ce que disait M. Collignon à l'instant, c'est que la faiblesse de l'Europe, ça a été justement de ne pas être assez solidaire, de ne pas avoir de mécanismes communs, etc. Et de regarder ce qui se passait à côté au lieu de travailler ensemble et faire preuve de coopération et de solidarité. La crise sanitaire qui a eu lieu, mais elle est la preuve qu'on ne peut pas résoudre ce genre de problèmes au niveau national. C'est impossible. Un État seul ne peut pas lutter contre un virus qui n'a pas de frontières. Un État seul ne peut pas lutter contre un réchauffement climatique qui nous concerne tous. Et il y a d'autres sujets comme ça qui ne peuvent pas être réglés au niveau national, qui de toute façon auront un impact sur tout le monde, qu'on le veuille ou pas, que l'on ferme ses frontières, qu'on ait un repli national ou nationaliste, à la fin on sera impacté. On va pas revenir en détail sur le cas américain, mais ça a été tout à fait démontré. Ce qu'on voit, c'est que ce manque de multilatéralisme, on l'a vu dans la gestion, dans la transmission d'informations, au moment de la transmission et de la diffusion du virus, l'harmonisation des contrôles aux aéroports, la décision ou non de fermer les frontières, le partage d'informations extrêmement important, le partage d'expériences, de politiques, etc. C'est ça qui fait qu'on arrive à lutter contre un ennemi commun qui est un virus. On n'a pas réussi. Et c'est comme ça que la pandémie s'est installée. Alors, pour en venir à l'Union européenne, la semaine dernière, enfin, c'était même ce lundi, la Commission a organisé un appel de fonds mondial. Et c'était vraiment intéressant parce que c'était lancé par la Commission européenne, qui elle-même a déjà mis de l'argent au pot pour ce fonds, mais a demandé, en fait, à tous les États, qu'ils soient européens ou non, de contribuer. Et donc là, l'Europe a contribué massivement, et puis il y a des pays qui ne sont absolument pas membres de l'Union européenne qui ont contribué. Mais pourquoi faire ? Ce fonds, il est intéressant parce que c'est un fonds pour soutenir la recherche en matière de tests, la recherche en matière de traitement, et surtout, la recherche d'un vaccin. Et le secrétaire général de l'ONU, le directeur exécutif de l'OMS, participaient à cette conférence qui s'est déroulée en ligne. Et c'était une conférence différente parce qu'elle demandait à ce que toutes ces avancées, cette recherche, tous ces progrès soient mis dans le domaine public et soient accessibles à tous. Alors, ça ne veut pas forcément dire gratuit, mais à un coût qui soit raisonnable pour pouvoir être accessible à tous. Et ça, il n'y a que le multilatéralisme qui peut permettre ce genre d'initiative. On reparlera peut-être tout à l'heure après du Conseil de sécurité, mais on a très peu parlé de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est quand même 193 États membres qui ont passé deux résolutions. La première, donc c'était en avril dernier, au début du mois d'avril, oui. L'une reconnaissait les effets sans précédent de cette pandémie et appelait à une intensification de la coopération internationale. Et l'autre demandait déjà une action mondiale pour faire
progresser le développement, la production et l'accès aux médicaments, un vaccin pour faire face au virus pour tous. Voilà, donc c'est la coopération internationale, le multilatéralisme, le travail ensemble, la solidarité, ça permet d'aller plus vite, ça permet de mettre les résultats à la disposition de tous. C'est une meilleure efficacité de l'aide internationale et une meilleure mise en œuvre de la solidarité. Et on en reparlera un petit peu plus tard parce que cette solidarité et cette coopération internationale, elle continue parce que l'ONU, ce n'est pas seulement une institution politique qui a ses ratés et ses difficultés, c'est aussi une énorme machine qui actuellement tourne à plein régime pour apporter des solutions à différentes populations. On y reviendra un petit peu plus tard. Merci Madame Pompé. C'est vrai qu'on s'est plutôt focalisé sur la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, mais vous avez ouvert en parlant des organisations internationales sur le monde entier. Et nous avons surtout pu constater que ces trois zones géographiques ne géraient pas la crise de la même manière. Et c'est tout de même la gestion exemplaire, entre guillemets, de la Chine qui ressort. Premier pays à avoir mis en place le confinement, et cela s'est avéré efficace, du moins à en écouter les autorités chinoises. D'ailleurs, on voit beaucoup la Chine venir en aide aux autres pays, apporter aussi bien renfort matériel que renfort humain et en faire la publicité, au point que certains accusent le gouvernement chinois de faire de la propagande, car beaucoup doutent du fait que cette aide soit désintéressée. Monsieur Collignon, qu'en pensez-vous? Cette propagande est-elle efficace et va-t-elle profiter à la Chine sur le plan des relations internationales? D'abord, il y a propagande. Et évidemment, c'est-à-dire que les Chinois cherchent à réécrire l'histoire de la pandémie. Ils cherchent tout d'abord à en faire oublier l'origine chinoise, c'est-à-dire essayer de dissocier le virus et l'origine de l'épidémie au départ, hein. Et notamment parfois en allant très très loin, en suggérant que le virus pourrait avoir un lien avec la CIA, hein, c'est ce qu'on a entendu il y a quelques jours. Mais dans l'ensemble, en fait, l'idée pour la Chine, c'est de dire c'est une pandémie, ce n'est pas une épidémie qui vient de Chine. C'est un virus qui touche le monde entier, ça n'est pas un virus chinois. Et donc, d'abord, la Chine a minimisé les chiffres, hein, ça c'est une certitude, dans le sens où dès la fin du mois de mars, des doutes ont été émis sur le bilan chiffré de l'épidémie en Chine, et le bilan officiel chinois de l'épidémie à Wuhan a été corrigé à la hausse le 17 avril. Donc a priori, de toute façon, que ce soit volontaire ou pas, les premiers chiffres qui ont été donnés étaient plus faibles que la réalité. Donc, ce que vous avez dit, c'est l'envoi de masques, de matériel, d'équipes médicales, hein, vers l'Italie, vers l'Iran, vers l'Irak. La Chine, effectivement, cherche à se placer dans la situation de la puissance secourable, c'est-à-dire la puissance qui est en mesure d'apporter une réponse aux autres pays qui sont touchés par le virus. En réalité, l'avantage de la Chine, c'est son avance dans le temps. C'est que c'est le pays qui a été touché le premier par le virus et qui va sortir de la crise le premier. Et donc, c'est de cette avance dans le temps que la Chine cherche à disposer et cherche à profiter. Il faut bien penser que, dans l'ensemble, la Chine a depuis plusieurs dizaines d'années, un déficit d'image. Et que tous ces envois de matériel, ces envois d'équipes médicales, l'objectif, c'est de la publicité, en quelque sorte. La Chine a absolument un besoin vital des marchés occidentaux dans les interdépendances économiques qu'on a évoquées jusque-là. Et il ne faut pas que son image soit détériorée. Parce que le risque potentiel, ce serait que la Chine perde à la sortie de cette pandémie et qu'il y ait une forme de boycott de certains produits chinois, de certaines entreprises chinoises, ce qui serait absolument dramatique pour leur économie. Il faut bien imaginer, hein, que la Chine ne peut pas sortir économiquement de cette crise si l'épidémie n'est pas régulée par ailleurs, dans les autres régions du monde. Donc là, actuellement, la propagande chinoise, elle se heurte aussi à l'attitude des Américains qui sont extrêmement durs. Trump parle de virus chinois. Il le dit, hein, le virus, il est chinois. On demande des expertises. Et on emmène avec soi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays qui sont d'habitude relativement mesurés sur la scène internationale, pour réclamer une expertise donc, sur les origines de la pandémie. Et donc, on sent bien que les Chinois sont très embêtés. Et d'ailleurs, la façon dont s'expriment les diplomates chinois actuellement, de façon très virulente, ça montre bien qu'ils sont agacés par la situation et leur diplomatie habituelle est gênée, quoi.
On a pu aussi lire dans les médias que la relation OMS-Chine a fait beaucoup parler d'elle. Action ou inaction de l'institution internationale, c'est vivement critiqué. Et Madame Pompei, justement, selon vous, l'OMS a-t-elle correctement joué son rôle ? Le rôle de cette organisation est-il remis en cause par le Covid ? L'OMS a-t-elle failli ? Le rôle de l'organisation, bon, d'abord, qu'est-ce que c'est le rôle de l'OMS ? Alors, l'OMS, c'est une organisation qui est là pour promouvoir des politiques de santé publique, qui met en place des règlements sanitaires, des lignes directrices qu'elle partage avec les États sur la base d'informations qui sont fournies par ces États. Elle stimule la recherche, elle met en place des protocoles, par exemple. Et puis aussi, l'autre rôle important de l'OMS, c'est d'apporter de l'aide, des compétences à des pays qui en ont besoin pour favoriser l'accès de tous aux services de santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas particulier ? C'est que l'OMS, c'est comme tout le système des Nations Unies, hein, elle n'est que la somme des États qui la composent. C'est-à-dire que l'OMS n'a pas ses propres chiffres, elle ne sort pas ses propres études, elle capte les données qui sont données par les États. Et ça, c'est constitutif à ce qu'elle est, quoi. Elle est une organisation qui est créée par les États pour les États. Donc, ce sont les États qui donnent les données. C'est pour ça, par exemple, que, je ne sais pas si vous avez constaté, quand vous comparez les chiffres qui sont donnés sur les tableaux de Hopkins sur la pandémie, où on a heure par heure quasiment les nouveaux cas, les décès, etc., c'est jamais exactement les mêmes que celui sur la carte interactive de l'OMS. On a l'impression que l'OMS a toujours 24 heures de retard. Pourquoi ? Parce que Hopkins va prendre des données que l'OMS ne veut pas prendre. L'OMS ne prendra jamais que les données qui sont transmises officiellement par les États. Tout ce qui est donné par l'OMS est officiel. C'est son rôle, c'est comme ça, c'est sa nature. Alors, sur le cas de la pandémie de Covid, quand le coronavirus est apparu, l'OMS n'a pu travailler qu'avec les données qui étaient données par la Chine. C'était là qu'était le virus, et elle ne pouvait pas, imaginer ou sortir des chiffres de son chapeau. Les chiffres ne pouvaient être que ceux qui ont été donnés par les Chinois. L'OMS a demandé à pouvoir envoyer une mission sur place, a insisté, ça a pris un certain temps, fini par pouvoir aller envoyer des spécialistes à Wuhan qui n'ont pu rester qu'en périphérie. Mais il faut savoir que l'OMS, c'est une institution qui, comme l'ONU, c'est une institution qui joue sur la diplomatie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rompre la confiance. Le but du jeu, ce n'est pas de couper les relations, ce n'est pas de plus avoir d'informations. Le but du jeu, c'est de maintenir cet échange qui fait qu'à un moment, on peut aller sur place, qu'à un moment, on peut avoir des informations, qu'on peut envoyer des équipes, etc. L'ONU, c'est de la diplomatie avant tout. Ce n'est pas des coups de colère, ce n'est pas des tweets rageurs, ce n'est pas des clivages, ce n'est pas du name and shame, c'est de la diplomatie, c'est faire du mieux qu'on peut pour garder cette confiance entre États et avoir le maximum d'informations. Alors, on a dit aussi, l'OMS a réagi trop tard. Alors, disons qu'avec les informations dont elle disposait, l'OMS a réagi en temps et en heure. C'est-à-dire que si on regarde quand elle reçoit les informations et quand elle fait des déclarations, il n'y a pas de perte de temps. Les recommandations ont été faites, on peut reprendre la chronologie, elle est sur le site de l'OMS en détail, et on voit bien que très rapidement, on a déclaré une pandémie d'ordre international, de menace sur la santé internationale, on a mis les États en garde très clairement, et en fait, c'est aujourd'hui ceux qui, à l'époque, ont minimisé ces mises en garde, qui se sont un petit peu moqués de l'alarmisme de l'OMS, qui aujourd'hui, c'est exactement les mêmes, qui paient un lourd tribut à la pandémie et qui sont les plus virulents critiques de l'organisation. Alors, tout ça n'empêche pas qu'il y a des choses à revoir. Par exemple, l'OMS, son financement. Bon, on a vu qu'effectivement, certains États, bon, on va le nommer, hein, puisque c'est public, les États-Unis ont décidé de couper leur financement. Cette organisation, elle a un budget, donc le dernier pour 2020-2021, c'est 5,8 milliards de dollars. Donc, c'est deux ans. Pour deux ans, 5,8 milliards de dollars. Le CDC américain, c'est 11 milliards par an. C'est 4 fois plus par an. Voilà, donc c'est déjà un budget qui est insuffisant. C'est un budget qui dépend, pour une partie, ce sont des contributions obligatoires et le reste sont des contributions volontaires. Donc les contributions volontaires, qui sont en fait l'essentiel de son budget, c'est des contributions qui sont
marquer. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, moi, tel pays va dire, ah ben moi, je veux financer la lutte contre la tuberculose, moi, je veux financer la lutte contre ceci, contre cela. Voilà, ce n'est pas l'OMS qui fait les choix, c'est des budgets qui sont attribués à des programmes en particulier. Et puis après, il y a tout ce sujet assez intéressant qui est celui des fondations. Il y a des fondations qui donnent de l'argent et beaucoup d'argent à l'OMS. Est-ce que ça empiète pas aussi quelque part sur son indépendance? C'est aussi un sujet intéressant que je ne vais pas développer ici, mais je vous recommande un très bon documentaire sur Arte là-dessus. Donc en fait, sécuriser des financements de l'OMS, c'est crucial pour assurer son indépendance. Et ce n'est pas au milieu d'une pandémie, en coupant des financements, qu'on va aider cette institution à répondre mieux en temps et en heure et en efficacité à une pandémie qui nous menace tous. Le secrétaire général comme le directeur exécutif de l'OMS ont tous dit que de toute façon, on n'allait pas maintenant, en plein milieu de la crise, commencer à faire de la politique et chercher qui a fait quoi, mais que de toute façon, à la fin de ce genre de moment un petit peu de tension, il y a toujours un moment, et ça a été le cas notamment avec la crise d'Ebola en 2014, où on prend le temps de tirer les leçons, de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment, pourquoi, etc., et d'ajuster les choses. Maintenant, il y a des choses de fond, des choses structurelles, notamment le problème des fonds attribués à l'OMS, qui sera une discussion certainement plus longue et plus compliquée, dans un contexte où aujourd'hui, l'OMS est dans une crise qui n'est pas seulement de faire face à la crise du coronavirus, mais maintenant face à une crise financière. Merci Madame Roupen de nous avoir éclairé sur le rôle de l'Organisation mondiale de la santé qui connaît quelques difficultés, mais comme vous l'avez si bien dit, qui sont structurelles et pas aussi liées peut-être à un manque d'anticipation. Justement, on peut poursuivre sur la gestion de la crise à l'échelle internationale. Vous avez parlé de l'OMS, vous avez un peu amorcé le sujet sur l'ONU. Donc comment l'ONU répond-elle à la crise sanitaire, Madame Pompé? Oui, alors d'abord, l'OMS, c'est l'ONU. Oui. Donc, on n'a pas de... Comment dire? On oublie parfois que l'ONU, c'est un secrétariat général, avec le secrétaire général, les 193 États qui sont à l'Assemblée générale, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, mais c'est aussi l'OMS, c'est aussi l'UNICEF, le HCR, le Programme alimentaire mondial, la FAO, enfin tout un tas d'organisations qui aident à lutter contre la pandémie. Et ça se fait sous diverses formes. C'est-à-dire que pendant toute cette période là de crise, l'OMS a apporté son soutien aux services de santé publique dans de nombreux pays. Aujourd'hui, sont actifs des hubs à travers tout le monde entier. Il y a une dizaine de hubs, dont un en Belgique, pour tout le réseau logistique. Donc, c'est le Programme alimentaire mondial avec l'OMS qui s'est occupé de ça. Et par exemple, il y a quelques jours, il y a un premier vol qui est parti de Liège pour l'Afrique avec du cargo, avec du matériel médical et humanitaire. On prévoit dans les 6 semaines prochaines 37 avions cargo de type 747 qui vont aller vers 130 pays. Et quand le système sera complètement opérationnel, c'est 350 avions cargo chaque mois, plus des vols de passagers qui seront effectués pour transporter le matériel. Les Nations Unies, crise ou pas crise du coronavirus, c'est tous les jours des hommes, des femmes sur le terrain qui distribuent de la nourriture, de l'eau potable, des abris, des vaccins, qui alimentent des cantines scolaires, qui assurent la continuité pédagogique. On l'a vu par exemple pendant cette crise, l'UNESCO, qui est aussi une institution de l'ONU, a mis en ligne un grand nombre de ressources pour les enseignants du monde entier pouvoir faire face à ce complètement nouveau pour certains qui était l'apprentissage en ligne. L'OMS, de son côté, a aussi immédiatement mis à disposition sur son site internet des formations pour le personnel hospitalier à travers le monde pour des gens dans des endroits un peu reculés qui n'avaient aucune idée de comment on gère ce genre de danger qui est un virus qui se transmet par l'air. Et tout ça, c'est l'ONU. On connaît l'UNICEF, on a l'habitude des campagnes de vaccination à travers le monde, on a l'habitude on connaît le soutien qu'on apporte aux enfants dans les camps de réfugiés, etc. Mais par exemple, cette année, l'UNICEF est intervenu en France pour donner des masques et du
et des blouses, etc., au personnel hospitalier. Donc, c'est un énorme système dont on a du mal à voir l'ampleur. Il n'y a aucun organisme qui est capable, aussi vite et de façon aussi efficace, de bouger tout ça, toute cette aide humanitaire, de construire des ponts, de mettre des hubs, etc., parce qu'il y a une expérience longue de ce système. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un travail de communication. Nous, on essaye de faire un énorme travail. On a parlé tout à l'heure dans le village global de cette incroyable information qui passe partout, mais c'est aussi une incroyable désinformation avec une lutte extrêmement importante contre les fake news et les rumeurs. Il y a aussi les droits de l'homme, avec une surveillance très étroite de ce que font les pays en ce moment. Il y a eu des mises en garde aussi faites par le Haut Commissariat aux droits de l'homme sur attention aux libertés publiques, attention aux libertés privées pendant cette période de coronavirus. Et on voit que ce sont des questions qui sont hautement sensibles dans des pays démocratiques comme les nôtres. Voilà. Donc l'ONU, c'est un système complet, c'est un système qui ne s'arrête jamais, crise ou pas crise. Et puis aujourd'hui, nous, on voit la crise du coronavirus, mais il y a eu la... Bon, c'est évidemment, ce n'était pas une pandémie qui a touché le monde entier, mais l'Ebola, c'était quelque chose d'extrêmement sévère. Et puis il y a des crises, ce qu'on appelle les crises durables. Enfin, on a des pays où la faim tue beaucoup plus que le coronavirus. On a des gamins qui meurent de la rougeole dans des proportions bien plus importantes qu'ils ne meurent du coronavirus au Congo, par exemple. Et tout ça, l'ONU, elle est constamment en activité dans le monde entier, que ce soit un jour pour un tsunami, le lendemain pour une crise qui dure depuis longtemps, le troisième jour pour une sécheresse, etc. Mais c'est un système évidemment qui a ses limites, c'est un système qui a ses défauts, mais c'est aussi un système qui a des succès considérables, qui a un impact considérable sur la vie des gens, mais donc qu'on perçoit pas, qu'on voit très peu, parce que c'est toujours la même histoire, vous savez bien, on parle bien plus des trains qui sont en retard que des trains qui arrivent à l'heure, donc voilà, c'est toujours, voilà, les moments de tension, dire, oh là, l'OMS n'a pas fonctionné tout à fait comme il fallait, oh là, machin, mais tout le temps où ça fonctionne bien, on n'en parle jamais, et l'ONU, c'est effectivement souvent un bouc émissaire quand ça fonctionne mal, mais on oublie souvent tout ce que cette merveilleuse en fait, institution a réussi à faire dans les 75 dernières années. Très bien. On retient donc que désormais, tous les pays sont en proie au virus et que ces pays luttent contre ce virus, justement, avec l'aide de l'ONU. On voit même une amélioration dans beaucoup de pays. Ainsi, on peut imaginer que les pays qui arriveront à s'en sortir le plus tôt seront ceux qui s'en sortiront le mieux après la crise ou dans la gestion de l'après-crise. Monsieur Collignon, je m'adresse à vous en premier. Est-ce qu'une bonne gestion de la crise va garantir un supplément d'influence sur la scène des relations internationales ou au contraire, pas du tout ? Je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas parce que les quelques pays qu'on cite en exemple sont soit empêtrés dans une situation géopolitique régionale qui est compliquée, c'est le cas de Taïwan par exemple, ou au sein d'une organisation d'intégration régionale qui présente des faiblesses importantes, c'est le cas pour la Suède ou pour l'Allemagne. En fait, si, à court terme, peut-être que Taïwan peut tirer quelque chose de cette crise, mais en ne perdant pas de vue que Taïwan est utilisé comme un pion par les États-Unis. C'est-à-dire que la façon dont les Américains, il y a quelques jours, ont dit qu'il était important qu'à l'OMS, Taïwan puisse participer aux échanges, alors que Taïwan a été observateur jusqu'en 2016 et a été ressorti de ce statut d'observateur au moment de l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen, qui est une présidente taïwanaise, la présidente taïwanaise indépendantiste, donc qui refuse complètement la discussion avec la Chine. Et donc, en fait, les États-Unis utilisent Taïwan, ce qu'ils visent par la bande la Chine, hein, clairement. Donc, en disant, regardez ce que fait Taïwan, c'est formidable, discutons avec Taïwan. Dans le même temps, les Américains ont coupé leur financement à l'OMS. Voilà, donc à court terme, éventuellement, Taïwan pourrait en profiter, mais je ne pense pas que ce soit durable. Après, éventuellement, ce sont des personnalités politiques sur le plan intérieur qui peuvent en tirer profit. Le Premier ministre suédois, par exemple, Stefan Löfven, qui a gagné considérablement en popularité parce qu'il a fait le choix du non-confinement. Madame Pompé, une réaction peut-être sur cette question ? Oui, alors je suis absolument d'accord, effectivement, avec Charles sur le fait que ce n'est pas forcément ceux qui vont arriver à gérer la crise sanitaire le plus vite et le mieux, qui vont tirer leur épingle du jeu. Il y a deux choses, quand Charles parlait de la Suède, il y a l'opinion publique nationale,
qui peut effectivement être reconnaissante et trouver que la crise a été bien gérée dans un pays XY et ceux qui en sortiront déçus de la gestion de la crise. Mais il y a aussi comment on va se placer dans ce monde d'après. Alors c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure, Charles a bien expliqué ces deux pôles, Chine-États-Unis, l'affaiblissement, on ne va pas se cacher dans notre petit doigt du multilatéralisme, mais il y a aussi beaucoup de pays qui se rendent compte que tout leur intérêt est dans la préservation et dans le renforcement du multilatéralisme. C'est notamment le cas de la France, qui fait un gros, gros travail en ce moment au sein du Conseil de sécurité pour essayer de finir par avoir, même si ça finit par être symbolique, mais une résolution sur le Covid. Et c'est des pays qui pourraient justement, à travers le multilatéralisme, arriver à reprendre une certaine place sur la scène internationale. Voilà. Après, attention à « j'ai gagné la guerre ». Contre le Covid, d'abord un parce que vous savez par exemple pour Ebola on déclare la fin de l'épidémie quand il n'y a plus 30 jours après le dernier cas déclaré. Il y a à peine 10, il y a 2 ou 3 semaines on était tous enthousiastes parce qu'un lundi on nous a dit ça y est, ça fait X semaines qu'il n'y a pas de nouveau cas, dimanche on va pouvoir dire Ebola c'est terminé. Le vendredi, un nouveau cas, c'est foutu. Donc, il faut faire attention. Cette crise, elle sera terminée quand il n'y aura plus aucun cas et plus aucun nouveau cas pendant au moins 14 jours. Puisque c'est à peu près, on n'est pas tout à fait certain, mais le temps dure. Donc, on ne sait pas encore qui va s'en sortir. On voit déjà des exemples de pays qui ont pensé que ça allait mieux, qui ont déconfiné, qui sont face à une deuxième vague. Et alors, chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, c'était encore la une de Libération aujourd'hui, l'Afrique est encore peu touchée. Alors, on dit, est-ce que finalement, ce virus, il ne serait pas un peu plus faible dans les milieux ou dans les endroits où il fait plus chaud? Est-ce qu'il ne s'atténuerait pas? Est-ce qu'on évoque plein d'hypothèses pour expliquer que la propagation se fait effectivement beaucoup moins vite? Attention, parce qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement et on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois. Ça peut être très ralenti. Il faut savoir que la pandémie, elle est arrivée en Afrique par les voyageurs, c'est-à-dire les classes aisées, celles qui peuvent se permettre de voyager, et les internationaux. Donc, elle, pendant un certain temps, elle s'est limitée dans une certaine classe sociale. Une classe sociale qui n'est pas forcément toujours dans les marchés, dans les endroits extrêmement peuplés, etc. Donc, il y a eu effectivement au début un démarrage très, très lent. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Ce que dit le secrétaire général depuis le début, c'est attention. C'est dans l'intérêt de tous d'apporter notre aide à ces pays-là, même dès aujourd'hui, même si aujourd'hui, effectivement, le nombre de cas est encore assez faible. Ils ont des systèmes de santé extrêmement faibles. C'est-à-dire que nous, c'est à 30 000 cas qu'on a des services hospitaliers qui sont complètement débordés. Eux, ça va être à 200 pour des pays avec les mêmes populations. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens de faire face. Et on peut très bien se retrouver avec des foyers, même s'ils ne sont pas très importants. Même si ce n'est pas une épidémie qui tue énormément et qui va mettre les hôpitaux en tension, on peut avoir des foyers épidémiques qui restent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on va reprendre les échanges, ça va repartir. Donc attention, la crise, elle n'est pas terminée. Et quoi quel que soit les pays qui tirent leur épingle du jeu, il faut savoir que on va être dans une période qui est extrêmement fragile. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne suis pas du tout apte, n'ai pas des compétences ni médicales, ni scientifiques, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je pense qu'on pourra tirer les leçons et voir qui réellement tire son épingle du jeu, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Il va falloir beaucoup plus de temps pour voir comment se redéfinissent les pôles et les tensions et les pouvoirs et le leadership. Je rajoute une dernière chose qu'a dit le secrétaire général il y a quelques jours, que je trouve intéressant. Il dit que ce n'est pas une question de pouvoir. Aujourd'hui, on a des grandes puissances économiques qui reprennent un peu les rênes, mais on n'a pas de leadership. On a des gens de pouvoir, mais on n'a pas des gens de leadership. On n'a personne qui a su
rassembler, qui a su mobiliser, qui a su faire fonctionner les institutions qui auraient dû, multilatérales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, fonctionner à leur plein régime et à leur meilleur face à une crise comme ça. On a manqué cruellement de leadership, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, qu'il y ait des États qui s'affirment en puissance et montrent leurs muscles et ont du pouvoir, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des pays qui auront un leadership suffisant, sera une autre chose. Très bien, merci Madame Pompei, merci Monsieur Collignon. Peut-être avant de terminer, un dernier mot sur les scénarios qui s'offrent à nous. Madame Pompei, vous aviez mentionné tout à l'heure la reprise économique. Vous aviez parlé un peu de l'aspect sanitaire. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous aimeriez évoquer sur la manière dont l'ONU voit la sortie de crise ? Je crois que finalement, je me rends compte que j'ai déjà abordé à travers chaque question un petit peu le tout, c'est-à-dire effectivement faire un bilan, c'est renforcer et non pas affaiblir les structures multilatérales, c'est faire en sorte que des organismes comme l'OMS et suffisamment d'indépendance et suffisamment de fonds pour pouvoir mener à bien leur mission. C'est repenser notre économie en termes de développement durable, et ça, c'est vraiment très important. Je veux dire, avant la crise, on allait droit dans le mur. Hein, là, on a eu un petit mur qui s'est mis entre nous, on est en train d'essayer de le grimper, de le sauter, mais le mur est toujours là. Et si on ne change rien, on ira avec la même force, la même violence, et on se le prendra. Et on y va direct. Pour le moment, on n'a pas encore, pris des décisions suffisamment courageuses et fortes pour changer. Et je suis un petit peu pessimiste. J'espère qu'il y aura un sursaut. J'espère que le monde d'après ne sera pas le monde d'avant. J'espère qu'il n'y aura pas de retour à la normale, parce que avant, c'était pas normal. Mais je dois reconnaître qu'on n'est pas encore tout à fait sur la bonne voie. Ça n'empêche pas que pour l'ONU, en tout cas, ce sera répété encore et toujours les mêmes messages. On n'a pas d'autre solution. Et si l'extinction de la vie sur Terre n'aura pas été la conséquence du coronavirus, elle sera la conséquence de nos autres manquements, de nos autres erreurs, à un avenir peut-être un petit peu plus lointain, mais finalement pas si lointain que ça. Très bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous allons désormais passer à celle du public. Et justement, une première question qui vous est adressée, Madame Pompei, elle nous vient de Julien et il voudrait savoir que dit cette crise du respect des droits de l'homme, notamment dans le processus de confinement ou des traitements ? Ah oui, non, mais ça c'est une très très bonne question. Justement, aujourd'hui, il y avait une conférence de presse de l'OMS Europe. Qui disait que la zone Europe de l'OMS, ça n'a rien à voir ni avec la géographie, ni avec l'Union européenne. Hein. C'est une zone qui s'étend de l'Europe, grosso modo, jusqu'à l'Azerbaïdjan, quoi. Qui comprend l'Iran aussi, enfin bon, je crois. Enfin, c'est assez compliqué. Mais c'est une zone beaucoup plus grande que notre zone géographique ou politique. Bref, dans cette zone Europe, on a constaté une hausse de 60% sur le mois d'avril de cette année par rapport au mois d'avril de l'année dernière, des appels sur les hotlines pour les violences sexuelles et les violences domestiques. On a une flambée, je crois qu'à Paris, on avait déjà vu que c'était 30% d'augmentation des violences domestiques pendant les premiers mois, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, et le Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'OMS ont donné des guidelines, alors notamment. Le problème, c'est qu'en ce moment, comme beaucoup de services sont fermés, des services sociaux, ou alors on y a accès beaucoup plus difficilement, que l'école est fermée, en tout cas en présentiel, donc on ne peut pas repérer, je veux dire, un enfant qui se fait battre peut être repéré par une maîtresse d'école, etc. Là, tout se passe à huis clos, en confinement, c'est extrêmement sérieux. Donc, de renforcer tout ce qui était écoute, ligne téléphonique, etc. Il y a des pays qui ont mis en place des codes pour que les femmes puissent, en toute discrétion, que ce soit chez un pharmacien ou même chez un commerçant, faire savoir qu'elles sont en danger. Il doit y avoir aussi, et ça c'est un peu notre devoir à tous, c'est-à-dire, oui, ce qui se passe chez le voisin, c'est mes affaires. Je me souviens d'une très belle campagne il y a quelques années, je vous parle de ça il y a 20-30 ans, mais c'était une campagne du Secours populaire qui disait « Merci de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ». Dans des cas comme ça, oui, il faut se mêler de ce qui ne nous regarde pas et écouter ce qui se passe chez le voisin. Donc il y a tout ça. Sur lesquels il faut agir. Et puis, et notamment, par exemple, ce que disait l'OMS, c'était de réouvrir les centres le plus vite possible. Et évidemment, les centres d'accueil, les centres sociaux, etc., de permettre aux femmes battues,
Ça a été le cas en France, par exemple, où il y a des hôtels qui ont été ouverts, il y a des centres qui ont été ouverts pour pouvoir abriter ces femmes qui devaient absolument quitter le domicile familial. Voilà, il y a des actions qui ont été faites, de les renforcer. Il y a aussi toute la question des libertés liées au traçage. Il y a aussi voilà, tout ce qui est utilisation des données, etc. Bon, après, l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde ce qui se passe, elle donne des directives, elle donne des guidance. De temps en temps, il y a des revues des droits de l'homme où là, on épingle, et la France a déjà été un peu épinglée sur certains sujets, hein. On épingle des pays, etc. Mais après, vous savez très bien que l'ONU, ce n'est pas un gendarme avec un bâton. Voilà, si ce n'est pas dans une question de paix et sécurité, dans une décision du Conseil de sécurité, il n'y a pas de coercition. Donc voilà, ce sont des avis qui sont importants parce que quand une institution de l'ONU parle, ça a de la valeur. Je vous assure que quand la France reçoit un avis du Haut Commissariat aux droits de l'homme, bah, elle n'aime pas. Donc on l'écoute. Voilà. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui sont absolument sur notre radar et en ce moment. Merci, madame. Très bien, nous allons passer à la deuxième question qui est une question de Quentin pour Monsieur Collignon. La crise du Covid qu'éprouve l'Europe va-t-elle mener vers une Europe plus fédérale? Alors là, tel que c'est parti, j'aurais tendance à dire que non. C'est peut-être ce qu'il faudrait. Ça rendrait très probablement l'Union européenne plus efficace, mais est-ce que les opinions publiques sont prêtes à davantage de délégations de pouvoir à une institution qui serait vraiment supranationale? Je ne pense pas. Donc ce qui est sûr, c'est que le système actuel, le fonctionnement actuel de l'Union européenne montre ses limites dans la prise de décision et surtout dans la prise de décision d'urgence. Et évidemment, une Europe fédérale avec un exécutif fort qui serait éventuellement élu directement par les populations, ça faciliterait la prise de décision. Mais très honnêtement, à court terme ou à moyen terme, j'y crois pas du tout. Une autre question encore pour vous, Monsieur Collignon, et ça sera la dernière, qui nous vient d'un internaute. Pour la faire assez simple et d'une manière indirecte, c'est la BCE qui finance la gestion de crise des pays de l'Union par le rachat des dettes. N'est-ce pas là une forme de solidarité? Oui, oui, bien sûr. On peut considérer que c'est une forme de solidarité. Après, le problème, c'est que cette solidarité dans l'Union européenne, elle devrait dépasser clairement des questions qui sont purement financières. Et dans la façon dont on a retenu du matériel médical, des masques qui auraient pu servir aux Italiens dans un premier temps, dans la façon dont on discute au Conseil de l'Europe actuellement, dans la façon dont on gère les frontières, hein, et la question des migrants en Méditerranée il y a quelques années, où une fois se débrouiller, la solidarité, elle dépasse clairement ça. Et cette solidarité, elle fait complètement défaut. Très bien. Écoutez, notre conférence va bientôt toucher à sa fin. On tenait à vous remercier, vous, Madame Pompé, vous, Monsieur Collignon. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre expertise sur la question. Merci à vous tous pour vos questions et votre attention. Merci à l'équipe Simonu pour l'organisation de cette conférence et aussi à Kedge, notamment à Anaïs qui était en backstage pour toute la régie. Et merci à notre partenaire Mister Prépa également. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons et par l'association, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous trouverez de plus amples informations sur notre activité et entre autres des articles de géopolitique. Merci à vous et n'oubliez pas, restez chez vous, du moins jusqu'au 11 mai, et restez informés. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.